Bonsoir à tous, comme je vous disais, bonsoir à tous, bienvenue sur le live, bienvenue également sur la rediff YouTube pour tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Nouvel épisode de The Last Remnant. Hop, je me permets de couper le son. Dernier épisode de The Last Remnant de la semaine. Pas de live samedi, dimanche. Donc on va essayer d'avancer un petit peu dans l'histoire, je vous l'avais promis. Et ben, on va essayer de faire ça tout de suite là. Voilà, on a découvert des nouvelles villes, notamment Nagapur et le duc de Gore, le duché de Gore. Donc on va faire ça. Et salut à toi, Majax, le premier arrivé. Quelle fidélité, merci à toi Majax. J'espère que tu vas bien et que tu es peut-être déjà en week-end et que tu peux profiter de ces deux jours de repos, je l'espère. Ouais, Prums, voilà. Ça c'est un vrai bro, Majax. C'est le vrai bro. Toujours présent, pour pas que je me sente seul. Ça fait plaisir. Bon, qu'est-ce que tu racontes de beau? Dis-nous tout. Normalement, vous avez le son du jeu. Alors, voilà, on avait des quêtes à faire, hein. Ici, des quêtes annexes. On avait fait quand même une bonne petite partie. On avait fait le tournoi avec Blector. Donc, ça avait été fait. Je vérifie juste s'il reste des quêtes annexes ici. Alors, j'ai toujours pas modifié les unions depuis la dernière fois. Dois-je apprendre ceci, potion? Allez-y, vas-y, très bien. Loki. Bien sûr, pas de problème. Alors ça, c'est un peu relou, hein. C'est un peu relou. Parce qu'on a beaucoup de personnages, donc beaucoup de demandes. Donc, Château de Gore. Je crois qu'on avait tout fait. Château de Gore. Il n'y avait rien du tout pour le moment. Je vais refaire un point rapidos. Putain. Ah, je me suis fait troll. Ouais, c'est bon. Je me suis fait troll par le jeu. Voilà. Vite fait, le point. On va regarder les armes. Est-ce qu'il y a des armes à acheter, peut-être? Ah, on a la gourette qui augmente les effets des haches. Donc ça, potentiellement, c'est un excellent combo, hein. C'est un excellent combo. En termes de dégâts bruts. Mais pour le moment, on n'a pas la thune pour ça. On va regarder au niveau des améliorations. Rapière du général. Donc pour la rapière d'évocation, quand même 28 800 guilds, ce n'est pas rien. Ça en fait du sub tier 3. On a une manclastier royatin, le coton supérieur. Et les stocks. Ouais, minerai d'argent, serre acérée de floros. Ouais, il manque pas mal de trucs. Et par contre, la Kurtana, qui est sans doute la meilleure épée qu'on puisse faire à partir de cette rapière du général. Il manque de l'impérium et du membre dissimulé. Le bouclier, on va regarder le bouclier. Ah, il manque des serres de grenouilles sauteuses. Ça, je sais à peu près où les trouver. Donc, ça peut être aussi utile pour booster ce bouclier. Et sinon, en création brute. On a le rat du cou, hein. Ça on l'avait vu. L'anneau de grâce. Est-ce qu'on a d'autres trucs qu'on pourrait crafter? Les boucles de grâce. Ceinture de garde. Les jambières de garde. Bon. Ah, les boucles méfiantes. Le baiser du destin qui augmente les PA. Et nos PA initiaux. Un ralenti plus 2. Ça c'est pareil, c'est pas clair, hein, ces effets. C'est quoi? On va rien acheter. Et on va dire qu'on avait fait tout ce qu'on voulait faire ici. Et qu'on va pouvoir quitter la région pour aller rejoindre Nagapur. Là où on devait aller pour la suite de l'histoire principale. À la seconde entrée de Sombreval. Ah ben voilà. Donc voilà, ça on était au royaume de Gore.
Il faut maintenant que je trouve Nagapur. Voilà, Nagapur qui est ici. Les remparts et l'Istre qui nous ont donné accès à ces deux villes. Ah, cette rémanence, elle me rappelle énormément de souvenirs. Donc déjà petite sauvegarde de Nagapur. On va pareil faire un petit tour. Pardon, c'est pas pause. Voilà, là on a différents quartiers. Ah, Nordalm, je me rappelle bien Nordalm. Faut regarder également du côté de la guilde. Il y a peut-être des missions à valider. Pour le moment, on va rester à Flusban. On va visiter la ville tranquillement, sereinement. On n'est pas pressé. Ah oui, je me rappelle de cette ville. Avec ses différents cas. Alors, on a quoi? De l'alien solide, du gaz naturel et un parchemin flétri. Rien de bien intéressant à première vue. De la fourrure, des cornes et du croc. Limaille de métal, muflétri, caille de bête, serre. Pareil, rien de bien intéressant. Par contre, attendez. Il y a des personnages importants, on les voit en bleu. Le docker, qu'est-ce qu'il nous veut? Voici lesquels bateaux pour le fort de l'hydre est sur le point de partir. Non, pour moi, je vois pas l'intérêt d'aller au fort de l'hydre pour le moment. Ok, donc voilà la petite place. La petite. Non, j'avais cru que c'était une fontaine, pas du tout. Attendez, là on a un mec. Ah, bah tiens, c'est notre ami Amy qui ressemble étrangement à Emma. Le but de mon apprentissage, eh bien, c'est assez varié, mais en gros, je souhaite développer mes capacités physiques et mentales. Ok, donc pareil, ça, je me rappelle plus ce qu'il y a derrière, mais en tout cas, c'est important de lui parler. Ok, donc plan de la ville. On va aller à Nordalm. Il y a plus de trucs à faire. Et ensuite, on ira à Suldal. Donc voilà, là, déjà, il y a des trucs qu'on va pouvoir peut-être acheter. Ah ben voilà, une targe. Alors, qui augmente la magie. Bon, la résistance élémentaire, mais on perd beaucoup en physique. Et on a la ceinture de Vinette. Qui, elle, nous donne beaucoup de force et du bâton. On n'utilise pas le bâton. Donc, à première vue, aucun intérêt. Là-bas, qu'est-ce qu'il nous vend? A du fer de vaquel, coque de l'obal, os d'homme. On va dire qu'on n'a pas besoin. Ça, c'est quoi? Ah, c'est des objets qu'on peut utiliser. Donc, pour le moment, le reste, on n'a rien. Lotion. Ok, à la taverne. Et on va regarder la personnalisation. Donc ouais, non, c'est pareil. Hallebarde du guerrier. Ah, hallebarde du guerrier. Ah, il nous manque du bois. Attendez, notez, il nous manque du bois. Est-ce qu'on peut acheter du bois? Non. Non, 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 pas de bois. Ok, très bien. On va aller maintenant à la guilde, à l'union du casque d'or. Est-ce qu'on a sans doute des missions à valider? Ah, la chasse au trésor, à peine ça. Qui nous rapporte une formation. Recruter une unité. On a Mégéléus. Alors, Mégélénus, donc il a un sceptre du général, un anneau suprême. Ah, du coup, c'est
C'est plutôt un soigneur, mais j'ai lu. Vous savez quoi? Je vais le recruter. Voilà, voilà. De toute façon, on n'avait rien d'autre à faire avec notre Thunas. Et du coup, j'ai appris... On va aller à la taverne. La taverne, là où les quêtes se trouvent en grande partie. Donc, c'est le café Végel. Petit café Végel. J'espère qu'on a le niveau pour les quêtes. Ok. Il veut pas me parler. Ok, ben super. Personne ne veut me parler. Non grata. Ok. Les civils n'embarquent pas sur ce bateau. Et salut Yevendil. Comment vas-tu? En ce vendredi. Est-ce que, comme dirait Laurie, ça ne serait pas le week-end? Ok, donc on n'a rien à faire. Parce que, attendez, si je... On va sur la carte du monde. Est-ce qu'il nous dit où il faut aller? En tout cas, on va aller du côté de Sudalm avant. Eh bien, écoute, moi, ça va bien, ça va bien. Pareil, le week-end. Le week-end. Alors, qu'est-ce qu'elle vend? Ah, elle vend les anneaux de grâce. Porte-bonheur de glisse. Ok, why not? Bon, pour le moment, à part recruter des unités, on peut pas dire qu'on serve de l'argent autrement. Ok, donc là c'est fermé. Alors je pense qu'il faut aller au fort de l'hydre. Hein. Il faut aller au fort de l'hydre. Le petit fort de l'hydre. Là ça me rappelle les endroits où je commençais à galérer. Hein. Du coup, si vous voulez du sel, ben, je pense que ça va commencer à avoir du sel. Ok, donc on va aller au fort de l'hydre. Je ne vois pas d'autre solution, votre honneur. Alors, est-ce que dans le tableau de l'union, est-ce qu'on a intérêt à remplacer? Pour le moment, non. On va pas se lancer là-dedans. Je vais faire juste une petite sauvegarde. Et on va y voir le docker. Bien sûr, on va au fort de l'hydre. Petite cinématique. Je vous laisse avec Emma et David. Nous ne pouvons quitter la ville tant que Messire David n'est pas rentré. Pourquoi n'y t'irais pas faire un tour? Pourquoi je fais un compte rendu à Pagus et à moi quand tu auras fini? Ah. Ça, c'est les phases un peu moins fun du jeu. Mais communes à tout RPG. On va devoir aller faire des tours pour parler aux gens. Du coup, je pense que c'est à ce moment-là qu'il fallait aller dans la taverne. D'ailleurs, il y a un truc qui est drôle, hein. C'est que David est censé être parti, mais il est quand même avec nous dans l'union. Petit souci de cohérence. La suspension consentie d'incrédulité est mise à mal. Ok, donc là, il n'y a rien. Je pense qu'on va aller à la taverne, choper des informations. Pour tout mon RPG qui se respecte, les informations, c'est à la taverne. Ah, regardez, là, il y a quelqu'un. Emma. Ah non, pas encore. Ah, c'était Emma. Je l'ai confondu avec Amy. Bon, quand il y aura un peu plus de monde, je dirais... Il y aura des trucs à vous dire.
concernant l'amélioration de la chaîne. Et oui. Et oui, on rigole zéro. Rôder autour de la taverne ces derniers temps, c'était ma folie odieuse. Ça aimait à quoi d'apporter un monstre blanc et flasque dans une taverne. Ok, on va essayer de parler à tout le monde. Hein. On va essayer de parler à tout le monde. Tiens, elle, la mercenaire. Le duc de Goret est un fidèle conseiller de notre regretté souverain. C'est pour ça qu'en période de trouble, le duc vient toujours à notre aide. Ok. Putain, je me rappelle que j'avais passé du temps sur YouTube. Fan de Rémanence. Tu as vu Gwaline 1 hein? J'ai vu de nombreuses Rémanences au cours de ma vie, mais je n'en ai jamais vu d'aussi imposante. Il y en a une autre assez puissante à Balteros au sud d'ici, mais elle ne peut pas éclipser Gwaline. Tu as pillé du skill. Tu te doutes bien que si ça s'achetait, je l'aurais acheté directement. Mais malheureusement, c'est ce genre de choses qu'on ne peut pas monnayer. Dommage. Un compte aurait, ce dernier aurait monté un complot contre Oswald et l'aurait banni du fort de l'Hydre. Si cela est vrai, j'ai peur pour monsieur Oswald Hermeyan. Il n'y a rien de plus laid que la rivalité au sein d'une même famille. On va parler au tavernier. Ouais, si on sait bien. Parce que on y a participé justement ça. Mais non, du coup, c'est pas de l'achat de skill. C'est tout simplement l'achat de bot follow. Parce que voilà, faut pas déconner quand même. Non, je glace, c'est pas ça non plus. Attendez, là il y a quelqu'un. C'est moi. Cette rémanence, ouais, donc Gwaline. Voilà. La petite rémanence. Donc on va refaire un petit tour à Sudan, mais j'ai l'impression qu'on a toutes les infos qu'on voulait. Hop. Bienvenue à Sudan alors. Ok. Parce que j'ai pas envie de parler. Ah, là il y a quelqu'un. C'est un lieu de rencontre calme et agréable. Les rues de Nordalm sont si agitées. Avec toutes ces boutiques, les marchands et les soldats s'y entassent toute la journée. Ils font tellement de bruit. Ah, regardez. Pagus. Je suis allé partout. Ah, mais en fait, il fallait juste. Il fallait juste faire ça. Donc, il nous a dit retrouvez-nous à Flusban. Ok, donc le commerce. Des rumeurs prétendent que l'armée avancerait vers l'est. Quelle époque vivons-nous? Oh. Ça sent la guerre. Ça sent la guerre. Alors retournons à Flusban. Et en tout cas, ouais, moi je suis triste que dès que je vous dis que je fais des choses pour améliorer la chaîne, vous pensez directement au skill. Ouais. Tout le monde sait que je suis très skillé. Et puis voilà. Quand même, je sais pas si vous vous rappelez, hein. Les performances de Yevendil sur Baldur's Gate hein, et de son fameux magicien qui nous envoyait des boules de feu. Alors pas sur les mobs hein, mais sur nous. Ok, il faut que j'aille récupérer Emma. Très bien, je le fais. Plan de la ville. Du coup elle était où? Il faut la Nordal. Voilà. Ah, du coup, ils les ont mis à ces deux endroits pour nous dire « Hey, mec !» Comme ça, si tu parles aux deux, on est sûr que t'as visité la ville. Oui. Clever, clever. Donc, cette fois-ci, Flusban. Et petit chargement cinématique. On se retrouve juste après. モシアゲます。水素コテの御用におきまして、ゲイボルグ並びにバレリアハートをかしされました。アスラム公ダビッドナッサウ閣下ご到着でございます。久しぶりだな、アスラム公ウィルフレッド。
c'est super ça. C'est super. Mes boules de feu n'ont jamais été mortelles pour vous, mais toujours pour les mobs. C'est dommage que je faisais pas les rodifs à l'époque. Mais j'ai quelques doutes là-dessus, sur cette affirmation. Tu me feras un test de d'intimidation, bien sûr. Ah, du coup, il faut aller faire quoi, là? Parce que là, on a vu que, donc, David et le comte. Et là, on a aucune indication sur ce quoi faire. Profitez-en pour aller faire un tour en ville. Ah, ça, par contre, ça, c'est un truc que je trouve assez embêtant. C'est-à-dire que, voilà, il donne aucune indication. Si ce n'est de tourner en rond, en fait. C'est l'indication. Dommage. Alors, donc on est à Flusban. On va retourner à Nordalm. Voilà, il y a les marchands. Est-ce qu'on n'irait pas faire un tour du côté de la taverne? On sait jamais. Parce que voilà, je pense que c'est un switch à déclencher. Mais il faut trouver lequel. Sachant qu'on a, bah, comme je disais, aucune indication, quoi. Donc moi je regarde les personnages qui sont importants. Non. Aucun. Parce que normalement les personnages importants qui font avancer, ils ont la petite icône. La petite icône rouge. On va quand même faire un tour à l'union du casque d'or. Je regarde vite fait. Donc on a recruté en plus toutes les unités là-bas. Bon. Rien Nordalm. Allez, rien Nordalm. J'espère juste qu'ils vont pas nous refaire faire un tour juste pour le fun, quoi. Donc Sudalm. Il y a le nord et le sud. Ah, regardez ici, un point. Un point bleu. Vieille âme amicale. Bonjour mon garçon, il y a quelque chose dont je voudrais te faire part. Savais-tu qu'il y a plusieurs moyens d'accès au fort de l'hydre? En plus du bateau, on peut s'y introduire à partir de la voie fluviale de Sudalm aux aqueducs. Tu te demandes peut-être pourquoi je te donne un tuyau, ça ne cache rien de suspect. Souviens-toi de ce que je t'ai dit, soit pourquoi te servir. Ok. Donc ok, c'est bon, on a enclenché le switch. On va pouvoir revenir en arrière. Après, où est-ce qu'il va falloir retourner? Est-ce que ça va débloquer? Quelque chose. Ah, sans doute ici. Sans doute ici. Nanda. David-sama. Emma, Pagzi, Rashi. Sugu ni koko o tatsu. 何があったんだ交渉はそれどころではなくなった覇王が、セラパレスに進軍した我々も援護に向かうアサムへ戻り、至急戦の準備をイエス、マイロードラッシュセクエンスノスタルジー Puisque Irina est notre sœur, hein, ce qui arrive. Et nous sommes à sa recherche, puisqu'elle a un pouvoir qui permet de déceler des pactes avec les rémanences. Hein. Et donc elle est utilisée à des fins maléfiques.
Et du coup, voilà, il parle de la du don de Marion, c'est exactement ça. Du coup, nous on doit retourner à Atlou. Et salut Yabobo, comment vas-tu? Et ben moi, écoute, ça va bien. Ça va très très bien. Justement parce que c'est le week-end. Allez, voilà, on en a fini pour le moment en tout cas avec cette ville de Nagapur. On nous a demandé de retourner à Atlum. Donc c'est quoi? C'est ce qu'on va faire. On retourne à Atlum. Du coup, je pense que c'est au château. Avant de faire d'aller au château, on va peut-être au quartier Virtus, voir si on a des missions qui ont été validées. On n'est pas contre quelques guilds. Et du coup, Yabobo, la forme. Allez, mission de guild. Non, on est en cas du coup. Je crois que les missions de guild, elles sont communes. Recruter une unité. Ah, des sortilèges. Gaz toxique, gaz paralysant. Tiens, j'ai pas de technicien. Ça, tiens, je vais le recruter, Pernette. Ouais, je vais le recruter. Je suis ruiné, hein, mais je trouve que je manque de personnages avec justement ces altérations d'état. Donc, c'est le moment. Par contre, on est vraiment en dash en termes de thunes. T'as juste du boulot, eh ben installe-toi. Installe-toi confortablement. Et profite de ce stream placé sous le signe du skill. ダビッド様、よろしいですか。覇王軍は我らに気づかれぬように展開し、セラパレスを奇襲しました。奴らは相当戦い慣れています。油断すればあっという間にセラパレスは落ち、次はアスラムが狙われるでしょう。そうならぬよう、今は一人でも多く力になる者をお連れください。エマ、お任せください。 Allez, du coup, Emma va rester seule à Atlum. Pendant que nous, on doit aller. Emma quitte l'équipe. Alors, hop. On va en refaire les unions. Ça va bien, j'arrive. Oui, j'avais lu. J'avais lu ton message. Ah, du coup, voilà. L'escadron de David. Il manque quelqu'un. Alors, flèche d'Atlum. Alors, donc David. Qui sait que je vais pouvoir mettre Pénètre qui a donc juste ses sorts de. De paralysie. Mégéléus. Donc, de soin. Il faut que je regarde ce qu'il a. Herbe. Donc il a les herbes fortifiantes. Ils n'ont pas forcément de soigneurs. Je vais juste vérifier. Blocteur. Ils ont herbes fortifiantes, mais ils ont. Ils n'ont pas de soigneurs. Donc peut-être. Par contre, attendez, il faudrait plutôt. Que je le mette. Non.
Oh non, je me suis planté. Attends, change d'information. Ok. Qu'est-ce que je mets? Est-ce que je mets quelqu'un qui va justement essayer de paralyser ou empoisonner? Sous signe du skill, donc pas de valtable ce soir. Ah là là, ça remue le couteau dans la plaie. Ah, je pensais pas ça de toi. Je pensais pas que tu nous ferais ça. Ok, je regarde ce qui est intéressant d'avoir. Ok. Mais vous savez quoi? Je vais mettre notre ami Pernet. Tout simplement. Voilà, ça sera. Je pourrais empoisonner. Peut-être même paralyser les ennemis. C'est pas négligeable. Et du coup, on va parler tout de suite à Monsieur David. D'ailleurs, je crois que la rediff est disponible sur YouTube. Hein, pour ceux qui veulent voir ce moment de génie. En plus. Donc voilà. Bah ouais, putain, non, mais par contre, alors, c'est complètement débile quoi de te faire des coups parce que tu fais Altab quoi. C'est le seul jeu qui fait ça. La suprématie d'Alondide sur le champ de bataille ne fait aucun doute. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que Palaisidel ne tombe à son tour. Nous devons agir à toutes les unités en route pour le Nidaigle. Ok, en route pour le Nidaigle. Alors, le Nidaigle, ça me dit quelque chose. Le nid d'aigle est à présent accessible. Donc là, on va prendre notre temps pour cette zone. Je me dis que si c'est de la quête principale... Ah! Ça arrive, le combat. Alors. Donc, lui... Ah, il y a des boss déjà. Rapprochez-vous, non? Attaquez à distance. Ah d'accord, on est obligé de se rapprocher. Moi ouais, non, je voulais dire d'attaquer à distance. On va commencer comme ça. Qui sont les boss? Peut-être on va se rapprocher deux pour... Ouais, si on va faire attaquer à distance. On va tenter cette strat. Renfort ennemi. Mais c'est pas du juste. Oh, le moral n'est pas au beau fixe. Le moral n'est pas du tout au beau fixe. En marche. Un petit gaz toxique. Oh, ils ont esquivé. Les enfoirous. Flèche éclair. Allez, bim. Cri victorieux. Oui, il est en train de se booster. Oh, le bâtard. Allez, c'est parti. Armistique. On va commencer Armistique. Dégommez-les tous. On va essayer de bourrer le poison. Allez, on va faire des focus. On les engage. Le coup critique. Oui, ils font mal ces enfoiros. Allez, on les a empoisonnés. Ça, c'est... Ouh, c'est bien joué ça. Le poison, c'est quand même plutôt stylé. Allez, allez, c'est bon. On reprend le moral. Et déjà une unité de tombée. Ouh, l'attaque éclair qui fait mal. Aïe. Oui, ils font pas beaucoup de dégâts eux. Attaque par le flanc. Le moral qui revient. En marche.
Et à nous de jouer renfort. Putain, mais renfort ennemi, c'est insupportable ça. Alors, putain, approchez-vous, soyez vigilants. Merde. Soignez-vous. Ouais, on va faire ça, on va se soigner un petit peu. Attaquer une zone à distance, bien sûr. Et salut, Lucos! Comment vas-tu? Allez, un petit rétablir deux. Une petite herbe. Une petite herbe, toujours plaisant. Eh bien, écoute-moi, ça va bien. Nickel. Tu découvres Monster Hunter World? Ah, c'est à cause ou grâce à l'extension? Oui. Non? D'accord, d'accord. Moi, j'avais fait Monster Hunter World sur PlayStation 4 à l'époque. C'est vrai qu'il est, il est pas mal. Après, c'est vraiment un jeu qui demande beaucoup de temps, quoi. Quoique, ils ont amélioré un peu cet aspect. J'avais commencé par... à l'époque, c'était Monster Hunter 3 Ultimate sur Wii U. Et soyons honnêtes. Attaquer une zone à distance. Non. Ok, on va les empoisonner. Et eux. On va essayer de bourrer. Ah ouais, 25 euros sur Steam, ça vaut vraiment le coup. Allez, on y croit. Bien joué. Bien joué, cet escadron. Aïe. C'est bon, on résiste. Putain, le bâtard nous a fait gaz toxique. Aïe, focus qui pique un peu. Oh, c'est abusé. Oi, oi, oi. Ah putain, mais c'est quoi ces focus de gros enfoiros? Ok, il y a du poison là, ça fait bien plaisir. Eclipse. Et par contre, le moral n'est pas au beau fixe. Oh, par contre, attends. Art mystique. On va faire l'art du combat. On va le faire utiliser, récupérer le point de vie ou renverser la tendance. Aïe. Allez, Zephyr, faut espérer que ça le défonce. Oui! Oui, 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 oui. Allez, Gebolg. La rémanence de David. Alors, est-ce qu'il attaque en zone? S'il attaque en zone, c'est du génie. On connaît bien les cinématiques à la Final Fantasy. Hein. Très, très théâtral. Oh. Frappe lourde. Bien, dégâts. What? C'est quoi ces dégâts de fou furieux?
putain, on a eu chaud. Ah putain, par quoi? Ok, ta pute. Putain, mais c'est quoi ces dégâts de fou furieux? Putain, plus il veut pas se soigner, hein. Putain. Putain, plus Martel mort. Aïe. Ah, ça pue. Ouais. Ça pue. Ah, ils font des dégâts de ouf, hein. C'est abusé. C'est tellement abusé, les dégâts de ouf. Ah, je m'attendais pas à ça. Je vous avoue, je m'attendais vraiment pas à ça. Ah, attendez. Est-ce qu'on a accès? J'ai sauvegardé à l'époque où on avait le nid d'aigle. Ouais. Alors là, ça picote. Alors peut-être que... Je sais pas, on va rester comme ça avec la trunion. Mais peut-être que l'idée, ça serait de... Non, papa, les idées. Oh non. Oh non. Le nidag. On va essayer, je sais pas. Est-ce qu'on n'essayerait pas de focus justement ces deux-là? On va se rapprocher. Je vais tenter une nouvelle strat. T'as un renfort ennemi, ça c'est abusé. T'avais arrêté le moral déjà. On a déjà le moral dans les chaussettes. Peut-être après on verra pour... C'est pas forcément lui que je voulais attaquer. Et si on pouvait lui mettre du poison. Ah non, il veut faire grâce paralysant. Il attend. On va peut-être du coup le focus cri victorieux. Ouais, du coup le moral est au plus faible à cause de lui. Récupérer des points de vie. Non, bah là je suis off. Infliger des altérations d'état. Armistique. On va essayer de bourrer d'altération d'état. Ah, dommage. Fente 3. Ouf, bien joué l'esquive. Allez, petit gage toxique. Putain, mais il saoule. T'as regardé les dégâts qu'on se prend. Bah ça c'est le moral, hein. Un fortifiant, bien joué. Putain mais... Multi-engagement, mais on récupère pas du moral. Oh putain, elle s'esquive en plus. Mais elle esquive tout. Non, c'est pas possible. Putain, elle esquive tout. Putain.
Mais ouais, il esquive tout. Putain. Merde. Non. Putain de sa maman. Putain, je suis tellement... Mais putain, esquive tout quoi. Je prends tellement des dégâts de ouf. Mais regardez ces dégâts, putain. Alors certes, il n'y a pas le moral, mais... Alors, je... Putain. Est-ce qu'il faudrait pas attaquer les petites unités pour augmenter le moral? Mais... Putain, mais je me prends des attaques par le flanc. Forcément, le moral est beau, beau fixe. Hein. Ouh là là, si on commence déjà à galérer là-dessus, ça sert à rien. Putain, mais on peut pas abandonner le combat. Alors, je pense qu'il faut pouvoir. Ouais, je pense qu'il faut pouvoir finir les petits pour le moral parce que. Putain, mutisme, oh là, les bâtards. Mais le pire, c'est que j'ai fait masquer Tanax quoi. Je suis dans un somme intersidéral. Ah, en plus c'est long, on peut pas abandonner le combat. Putain, laissez-nous abandonner le combat, quoi. Aïe, 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 ça. Comme dans mes pires souvenirs. Non, mais par contre, abandonner les combats, je sais pas, mais c'est... Ça devrait être une option... possible, quoi, ça demande pas grand-chose, quoi. Mais je vous assure. Ah, puis après je peux farmer mais j'ai pas envie de farmer quoi. J'ai fait masquette annexe et pour pas farmer justement. Ok. Je me rapproche. On se rapproche de. On va se rapprocher direct de. Comme ça va fuir les autres. Mais déjà renfort ennemi. Ouais, il faut qu'on puisse les finir. Surtout que les autres nous emmerdent pas quoi. Parce qu'avec le moral, on se prend des dégâts de ouf. Ok, ils sont en attente. Fils victorieux, bah le moral est à zéro, bien sûr. Ok. Combat. Concentrez-vous sur leur chef. On va déployer l'offensive. On va essayer de pouvoir en défoncer rapidement. Salut mage. Comment ça va? Putain, mais regardez les dégâts. Mais regardez les dégâts, ces enculés. Oh non. Putain. Mais c'est abusé d'avoir le moral à zéro direct. Allez, défoncez-les. Putain, on fait pas assez de dégâts. Mais putain. Putain, il en reste 2 points de vie. Oh, j'ai tellement pas de chat. Pas de sol, 12
potions pour booster tes défenses, mais je peux pas, on ne peut pas les utiliser. Putain, je me trompe de bouton. Quel connard. Non, non, après j'ai des sorts, mais... Attendez, que c'est même pas moi qui choisis les sorts. Ok, eux, ils... du coup, si on est loin, ils attendent. Ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est la bonne strat. Sauvez-les coûte que coûte. Non, ils sont quasiment morts. Sauvez-les coûte que coûte. T'as un gaz paralysant. Redonner la pêche à vos points de vie. Allez, espérons. Oh putain, 9 points de vie. Oh, bien vu l'esquive. Putain, par contre, les attaques par le flanc. Mais c'est cette unité à la con, l'unité de Kazinsi qui. Gaz toxique. Ok, une unité en moins. Je vais mourir. Tu peux le faire, merci, je crois, mais putain. Mais regarde, renfort ennemi à chaque fois. C'est abusé. Rapprochez-vous. Attendez, ils sont où eux? Ok, donc on va se rapprocher. Mais putain, mais ils sont se rapprochent. Attaquer une zone à distance. Toxique, allez. Ok, ils ont pris le poison, c'est pas mal. Je vais me rater le moral. Ou je... C'est vraiment le moral dans les chaussettes. Hein. Putain, dommage, on les a presque eu. Ok. Ok. Utilise. Est-ce que je peux utiliser le Gibbold? On va utiliser le Gibbold. Récupérer des points de vie. Allez. Ça pouvait en tuer plusieurs d'un coup. Mais je pense que c'est la bonne stratégie. Au début, il faut s'éloigner des deux. Tant qu'on remonte notre morale. Il est exigeant ce jeu. Ok. Lol, on a eu les 4 unités d'un coup. Ok, ça y est, eux ils commencent à arriver. Par contre, ils ont. Ah, le moral, vous avez vu le moral? En attente. Pourquoi ils sont pas soignés? Je leur ai dit de soigner. Là par contre on a le moral. Alors, est-ce qu'il faut que j'attaque? Art du combat. On va essayer de les empoisonner. Approchez-vous. Normalement là on a le moral. Eclipse 4294. Bien vu, barrage. Gaz toxique. Ah, il s'est pas pris le poison. Catapulte. Ça va déjà mieux en termes de dégâts, mais si on prend super cher.
putain. Allez, faut soigner les gars. Putain, par contre, il propose pas de soins. Donnez tout ce que vous avez. Putain, mais j'ai aucun soin. Attends, c'est problématique ça. Soigner les autres. Tant pis. Soigner les autres. Allez, il est. Elle est dans le rouge. Elle est pas encore morte. Putain, frappe lourde. Aïe. Putain, on a perdu l'unité de David. Putain, ils sont en attente. Ok, putain, ils sont tous en attente aussi. Putain, je perds des tours. Achève-les. Donnez tout ce que vous avez. Ok. Air fortifiante. Rétablir. Par contre, il manque des soigneurs. Aïe. Il faut regarder les dégâts qu'on fait. Oui. Putain. Aïe. Bon, il est dans le rouge, ça veut dire qu'il est bientôt mort. Concluons un pacte, libère-toi. Soignez les autres. Donnez tout ce que vous avez. Putain, surchargé. Non. Putain. Allez. Allez, l'omni frappe. Normalement, ça devrait le tuer. Oui, victoire. Ouh, c'était tellement chaud. Oh là 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 là. Ah, 14 000 guilds par contre. Putain, on a eu vraiment vraiment chaud. Pourtant, on peut pas dire que j'ai rush. Hein. On peut vraiment pas dire que j'ai rush. On se laisse avec la cinématique. La censure. Nazeやつがここに。下がれ。
私の石板のせいでこんなエマ。ダビッド様の行方がわからんのだ。エマの剣も見当たらん。早くに母君を亡くされたダビッド様にとってエマは特別な存在だった。もしものことがあっては探すよ。 母の花園だった。母が亡くなった時、父が焼き払った。でもエマが蘇らせてくれたんだ。レムナントの契約者となって以来、俺はこの世界を憎しみを持って見つめるだけだった。そんな俺にエマは花の美しさを思い出させてくれた。ダビッド、エルマイエン公は今夜にも 覇王討伐を決定するだろう。世界中の諸侯がレムナントを携え、彼のもとへ集まる。そうなれば覇王も終わる。ダビッド、俺気になることがあるんだ。覇王は石板を使ってバレリアハートを変化させたらしい。でも石板はワグラムが。どういうことだ。全ては一人の男の企みです。覇王もワグラムも彼の命令で動いてる気すぎない。 世界を不安定な状態にし、レムダントを使った戦を引き起こして、民衆にその恐ろしさを見せつける。民衆は諸侯がレムダントを持つことに不安と抵抗を覚えることでしょう。そこへマーシャルの末裔であるイリーナを連れた彼が現れ、レムダントを完全に管理すると宣言する。全てのレムダントを掌握した彼は新たな新皇帝として 世界を支配する。その男ってのは、今日は会議議長ウィルフレッド・エルマイエン公爵。そういうことか。ダビッド様、このような時に身勝手な願いだと分かっております。イリーナをお救いください。イリーナ城を戦には巻き込まない。そのことはラッシュと約束しました。顔をお上げください。ありがとう、 ありがとうございます。私は大丈夫だ。大げさだぞ。ダビッド様。 エマ・ハニウェル・セカンド、アスラムへ帰還いたしました。ダビッド様、 ご命令を。エミ、母の意志を継ぎ私に仕えよ。イエス、マイロード。
からどうするんだ。真の敵はナーガプールにいる。こちらの動きが読まれぬよう時を見計らって少数で潜入する。エマの仇を取る。こんなふざけたことはもう絶対に終わらせてやる。エリーナ待ってろ。Eh bien, voilà une bien belle cinématique. Le maximum d'unions dans votre équipe est désormais de 5. Le maximum d'unités par combat est à présent de 5. Le maximum d'unités dans votre équipe est désormais de 40. Et Amy rejoint l'équipe. Eh bien, voilà. Oups, pardon, désolé. Ah, désolé, non, c'est pas encore la fin du live. Je me suis juste trompé de bouton. Alors, on va faire une petite sauvegarde. Hein. Bon, alors, vous en avez pensé quoi, vous, de la cinématique? De cette cinématique et de ce combat entre Emma et Alondite. Moi je trouve que c'était quand même pas mal épique, bien chorégraphié, pas trop long, pas trop court. Après bon, le seul point noir de cette scène, bon, c'est du coup Amy qui vient remplacer sa mère. Elle a aucun sentiment, la meuf. Elle vient de perdre sa mère. Bah les couilles. Bah les couilles en... place au combat, quoi. Alors attendez, du coup il va falloir refaire les unions. 5 unions. Alors la question c'est, est-ce qu'on reste avec 4 unions et on... Ouais, le problème c'est que c'est plus équilibré. 1, 2, 3. Alors qu'avec 5, 2, 3... Le méchant a l'air badass. Ouais, le méchant a l'air en effet plutôt badass. Je suis bien d'accord avec toi. D'ailleurs, il m'a fait un peu penser. Alors, je sais pas si vous avez vu les Chevaliers du Zodiac, mais au chevalier du. du poisson, chevalier d'or du poisson. Justement, quand il voit qu'il est. Qui s'est fait toucher, qui s'est fait abîmer son corps, et rentre dans une. Dans une rage folle. Mais ouais, il est plutôt classe. Et là, tu sens en plus que là, il a vraiment pas utilisé toute sa puissance, quoi. Ouais. Je suis bien d'accord. Renforce l'arrière. L'attaque mystique. Renforce la défense de l'avant-garde. Renforce l'attaque du front et la défense des flancs. Renforce l'attaque. Mon accent truc. Et la défense des flancs. Ceinture. Mais je pense qu'il me faudrait un peu plus de défense. Hein. Je vais tenter regard d'elle. Alors. On a Amy. Ouh. Elle est pas mal, Amy. On va mettre Amy. En 1. Tac. En deuxième. Qui c'est qu'on a? Alors, donc, on a un personnage un peu polyvalent. On a Véronica. Elle fait quoi? Ouais, elle est pas ouf, Véronica. Hein, soyons honnêtes. Ox. McGrady. Je sais pas. Mégélus, qui est un soigneur. Véronica, on a Ox. On va mettre Ox. C'est pas ouf, hein. Défense 7. Ouais, elle est pas mal en défense physique. Ouais, Aphrodite, c'est exactement ça. Ouais. Par contre, ouais, je suis pas. Ah, mais oui, parce qu'elles sont que 3. Ouais, elles sont que 3. Alors, du coup, je vais
dissoudre l'union. Voilà. On va peut-être booster uniquement ces unions en rajoutant des membres. On renforce l'attaque mystique, réduit l'attaque et la défense de l'avant-garde. Du coup, peut-être pas sur lui. Alors, hop, changer la formation. Renforce l'attaque en pointe et la défense des flancs. On va garder ça. Ouais. Ah bah Amy, bien sûr. Amy, on va mettre... Après, Amy est déjà polyvalente, me dit que... Oups. Pourquoi comment ça se fait 56. Attendez. Ah voilà, 57. Amy, ouais, non mais Amy, je me dis qu'il faudra plutôt la mettre dans une autre union. Herbe. Beaucoup d'herbe. Ah non, par contre... Ouais, je vais plutôt prendre Mégélus. Voilà. Donc, David. Changer la formation. Donc, attendez, pince, ça renforce l'attaque du front. Ouais. Donc, je vais... De Talgor. Gabriel, peut-être mettre... Oh, attendez. Peut-être, ouais, plus comme ça. Amy. Là, je mets Talgor. Attendez, où Talgor? Talgor. Le problème, c'est que lui, il aime. Ouais, je peux le mettre ici éventuellement. Ok. Ça se trouve, je fais vraiment de la merde. Mais par contre, l'escadron Pagus, ça m'embête. Il va être un peu faible. Est-ce que... le problème c'est que, ouais, ça, 1900, changer la formation, changer la formation, du coup ça veut dire que là il faut que je mette, attends, renforce l'attaque mystique de la derrière, réduit l'attaque et la défense, je suis pas sûr de cette formation, soyons honnêtes. Mais réduit la mobilité d'union, renforce les lotions, peut-être à pas, est-ce que je mettrais pas, attendez, parce que Pagus, non Pagus faut que je le mette derrière, ah je suis désolé c'est pas la partie la plus fun. Si je mets Hawks. Et Pagus. Non, je vais faire autre chose. Je vais... pince. Je vais enlever... Je vais enlever Amy. Du coup, attendez. Changer la formation. À pas. Non, Hawks. À la place de Hawks, je vais mettre Amy. Je vais mettre Amy. On va garder. Comme ça. Et du coup. 1, 2, 3. 4. Alors,
Donc renforce l'attaque du front et la défense des flancs. Faut que je mette un soigneur derrière. McGrady. Je vais mettre McGrady. Donc devant, il faut des attaquants. Talgor. Bien sûr, Talgor. Marc Talgor. Talgor est en... Ouais, je peux mettre Talgor. Je vais mettre Talgor. Et avec lui, 46 AP. Par contre, ouais, 4-4-4-3. L'union de David qui est pas ouf. L'attaque en pointe. Alors je refais passe. Hein. Ah, est-ce que c'est équilibré à peu près? 153 130. Ouais, c'est à peu près équilibré. Je vais sauvegarder. Comme ça on verra après si on modifie. Alors, peut-être qu'il faudrait mettre 3 unions de 5. Mais qui dit 3 unions de 5 dit qu'ils vont le faire toucher plus souvent. C'est ça aussi le problème. Donc je sais pas vraiment ce qui est le plus worse. En mettant bah, du coup 3 unités de 5 et donc en boostant leur stat à donf. Ou en faisant 4 unions de 3 ennemis à peu près. Je sais pas du tout. Mission de guild. Recruter une unité. Nora. Attends Nora, qu'est-ce qu'elle a? Oui, Nora, bon. Elle a pas mal Nora, mais... Et Mathéa. Gaz toxique, ça c'est un magicien. Je regarde pas leur stat aussi. Nora. Ouh, attaque magique, c'est pas mal ça. Bon, vous notez quand même qu'il y a, les... Il y a Nora et Mathéa qui sont pas mal en tant que magicien. Donc nos nutri-unités. Donc c'est eux. Hein. Pagus. Alors on va faire comme ça, c'est plus simple. Pagus. Ouais, qui a pris pas mal d'incantations. Donc. Et la gaz toxique. Il est pas mal en magie, ouais. Et elle, qui est soigneuse. Ouais, qui est un peu... Violette, qui est un peu... Qui est un peu polyvalente. Bon, vous savez quoi? On va laisser comme ça, on va voir comment se passe la suite des aventures. Mais je pense qu'il y aura potentiellement des trucs à regarder. Est-ce qu'on a des quêtes annexes maintenant à faire? Ici. Pas du tout. Du coup, on va regarder en termes de stuff. Est-ce qu'on a des nouveautés? Après, on ira faire un tour sur les autres villes. Parce que là, on a vu quand même, on en a chié. Hein. Alors, la première fois, c'est passé de justesse. La deuxième fois, on n'a pas utilisé la bonne stratégie du tout. Donc, on s'est fait défoncer. Voilà, parce que je pense qu'au début, c'était scripté qu'on ait vraiment le moral à zéro. Mais que voilà, faut l'attendre de reprendre du moral pour personnaliser. Non, on peut rien faire. Tac, c'est bien ce qui me semblait créer. On peut toujours rien faire. Hein. C'est bien ça. Pareil, les baisers du destin, je sais pas si ça vaut le coup. On va regarder ce qu'on peut acheter éventuellement.
Ah, une épée longue. Ah, regardez-moi ça, épée longue. Épée longue, 8000 gills. On augmente beaucoup les attaques physiques. Par contre, on perd en attaque magique, 7, et en défense magique. Est-ce que ça se tenterait pas? Parce que 16 points d'AP hein, pour... Moi, je vais la prendre. Hein. Je vais juste vérifier... Hard Rush. Enfin, c'est du Unimanu. Hein, ouais. Donc... Ouais, je vais acheter l'épée longue. J'ai acheté l'épée longue. Ah, ça veut dire qu'on peut éventuellement l'améliorer maintenant, l'épée longue. Après, je pense pas forcément acheter des armes dans le but de les améliorer aussi. Ah oui. Ah oui, 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 vous avez vu. Gel plus 4, aide. Sinon l'épée longue supérieure. Vous avez vu les dégâts? Non, je pense que c'était une bonne idée. C'était une bonne idée. Ok. Donc, il n'y a plus rien à faire à Atlum. Peut-être qu'il faudra parler à David. Est-ce qu'on parle tout de suite à David? Ou on attend de voir... On n'attendrait pas de voir... On va parler à David. On va parler à David. Je fais une sauvegarde. Ici, sur la carte du monde. Notre véritable ennemi est le duc de Nagapur. Nous ne serons plus ses pions à cette mascarade. Un route pour Nagapur. Vengeance! Vengeance! Alors avant de faire la vengeance, on va faire la... l'XP science. Hein. On va équiper un peu. Donc on peut aller à Gore. Est-ce que je retournerai pas à Balteros? Pourquoi Balteros? Parce qu'il y avait une quête qu'on pourrait pas faire. Alors peut-être que maintenant on peut la faire. Hein. Carré des marchands. Là, on a vraiment eu très très chaud. Après, il faudrait vraiment que je puisse regarder aussi les... comment améliorer le stuff. Comment améliorer le stuff. Sachant qu'on avait une quête aussi qu'on n'avait pas fini, on était un peu dans le mal. Hein. Mission de guild. Ah, ok, donc ça, on a recruté toutes les unités ici. Donc on va reprendre les quêtes. Mais je vous l'ai dit, hein, ce jeu, il est exigeant. Il est exigeant. Ok. Petite sauvegarde. Ah. Ok, elle nous a dit de rendre au château de Balteros. Il n'y a pas une autre quête. Ah tiens, ah, Anna. Ouais, ouais, on va y retourner. On va retourner faire cette quête. On avait abandonné parce qu'on était un peu faible. Donc là, je pense que là, ça devrait aller un peu mieux. Regardez, on a quand même cette magnifique épée longue. Par contre, il faudra aussi peut-être modifier ce bracelet de. Ce rat du coup offrit bien. Ah, attendez. Donc on avait la carte. Hein. Ouais. On avait la carte. Alors, attaque, on va pouvoir attaquer art du combat. Voilà, je vais faire masse art du combat. Ah, du coup, on n'a pas de PA, beaucoup de PA au début. Attaque à distance, art du combat. Allez, on va faire comme ça. J'ai hâte de voir les dégâts que je vais faire avec. Oh, l'explosion caustique, pas mal du tout.
Ok. En marche. Ils sont en marche, les gars. Du combat. Hop. Puis j'ai des altérations d'état. J'aime bien les altérations d'état. Allez, ok. Ils sont vaincus. Voilà. Ok. Il en a besoin pour faire des potions rouges. Et de la vermine. Waouh, on va démembrer. Allez, let's go. C'était pas là que je voulais aller. Ah, il y avait un boss unique aussi, on s'était fait défoncer. Si vous ne vous en rappeliez plus. Il était pas par là. Non. On va se le faire, lui. Il a voulu nous foncer dessus. T'as, par contre, il est déjà 20h28, hein. Je sais pas si ça le fait qu'à moi, mais... J'ai l'impression que le temps passe super vite sur le jeu. C'est la folie. Bon, on remarque qu'on a quand même fait 3 tries sur le dernier combat de boss. Un glaive de guerrier. Très bien. Alors, donc nous, il fallait qu'on passe par où? Il fallait qu'on passe par là. Ok. On va se le faire lui aussi. Il n'y a pas de raison. Mais ouais. En tout cas, ce jeu est cool. Franchement, il est vraiment cool. C'est dommage qu'il ait pas eu de succès critique. T'as 9384 en contre-attaque. Ça pique. Ok, ça gagne de l'XP. Puisque j'aimerais vraiment un The Last Remnant 2. Attendez, là il y a un truc à fouiller. Tu m'as pas vu. Bonus objet. Métal léger, 517 kills. Ok. Donc on va peut-être passer par là. Non, pas du tout. Je me trompe de chemin. On va directement aller dans la zone qu'on a débloquée avec cette quête. Hop, par ici. Donc le quartier de Senecio. Et là, il va y avoir un petit up de niveau. Donc on va être prudent. Du coup, oui, alors, tiens, je voulais vous en parler. Puisque voilà, on est 7, ce qui est pas mal sur ce stream. Ça y est, j'ai encore fait des frais pour le stream. Hein. Attention, ça rigole pas. Ce sera toujours concernant le son. Ouais. Le son, c'est ma grande passion. Ah, franchement, le son, c'est super important. Ben là, j'investis dans un DBX. Donc, ce qui est bien, c'est que ça, il va empêcher la saturation. Et on va pouvoir faire un peu du traitement sur la voix. Donc, normalement, mon accent, je vais essayer d'annuler mon accent de merde. Allez, hein. Donc on a surtout pour la saturation, pour la qualité audio. C'est en solde. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas un petit DBX. Et du coup, DBX. Donc voilà, une petite amélioration du son. Ne me remerciez pas, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ok, là. Là, il y a ces deux mobs. Je me rappelle, j'avais ragé. Hein, parce que j'avais quasiment tué. Et ce qui s'était passé, c'est qu'ils avaient fait. Ils avaient utilisé une compétence. C'était. Qui permet de choper des. De faire appeler des potes.
que je vais sur eux. Ouais. Je vais tenter ça. Déployer l'offensive. Bon, infliger des altérations d'état. Ah, je peux pas infliger des altérations d'état. Bah. Attaquer armistique. Ouh, on se fait intercepter. Attaque. Attaque. Cascade. Ouh, c'est tellement violent, cascade. Je sais pas si vous avez vu. Ah là, je pense qu'on on a clairement le niveau pour se les faire. Même si il se laisse pas faire. Ah, le poison. Ça, j'aime bien le poison. Ta 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 ta, victoire, on est passé en grade de combat 5. Ah oui, il voulait la fourrure épaisse. Ken, que de faire fadage, je suis bête. Non, pas l'accent. Ah, désolé. Non, mais c'est juste, voilà, je me dis que. Que déjà, rien que le fait d'avoir un truc anti-saturation, c'est-à-dire que je pourrais gueuler comme un sac. Voilà. Puis il y aura une belle voix quoi, mine de rien c'est important. C'est important, t'arrives sur le stream, t'as un son qui est agréable. Après c'est un petit investissement mais voilà. Je voulais vous faire part de tout ça. J'adore vraiment utiliser le poison. Après c'est pas dit que je réussisse à l'installer hein. Je suis pas un ingénieur du saut, loin de là. Mais normalement, c'est assez facile, je crois que j'ai bien compris comment ça fonctionnait. Et l'esquive, regardez, gaz toxique. Aïe, ça empoisonne pas. Mais au moins ça, c'est Nao poison, donc c'est cool. Et regardez, on gagne quand même pas mal de stats. Ok, alors on va... Hop, moi je démembre tout. Sachant que si je démembrais pas, je pourrais peut-être gagner un peu de thunes. Mais j'ai pas l'impression de manquer tellement de thunes que ça. Oh, un petit coffre. Qu'est-ce que nous cache ce coffre? Volcan éruption. C'est une nouvelle formation. Tableau de l'union. Changer la formation. Est-ce qu'on sait volcan éruption? T'as volcan éruption? C'est quoi ce foutage de gueule? Pourquoi on le voit pas mon volcan éruption? Attendez, tableau de l'union. Attendez, créer une union, je peux pas, merde. Changer la formation. Volcan en éruption. Ça, je comprends pas. Je comprends pas du tout pourquoi on voit pas le volcan en éruption. On n'a pas la carte de la zone. Ok, donc là, il y a le téléporteur. Nous, on vient d'où? Attendez, j'ai l'impression, on a déjà fait le tour. Ça me paraît bizarre, attendez. Ouais, attendez. Je suis désolé pour les retours, mais j'ai eu peur d'oublier quelque chose. J'ai vraiment peur. Ça. Donc je m'assurais que je n'ai pas oublié un chemin, donc là c'était bloqué. Sachant qu'il y avait un petit interstice. Est-ce qu'il y avait moyen de passer? Je pense pas, mais bon. Allez. Non, on peut pas. Bon, ben voilà. Donc, cette partie de la zone, on l'a fait. Alors, est-ce qu'on reprend le téléporteur? Non. Donc, on a la carte. On a donc fait cette zone. C'était donc la zone la plus à l'ouest.
C'est quoi ce bruit? Vous avez entendu ce bruit? Ok, donc le quartier du seuil, il n'y avait rien. Donc on va aller en haut. On va le faire dans le sens de des aiguilles d'une montre. Alors, altération d'état. Art du combat, on va faire brise rotule. Déploye l'offensive. Allez, let's go. Ouais, je prends un peu de dégâts là. Sur ces mobs. Et sentiment 4. Ouh là là. Deux par contre, c'est pas la même chose. Hein. La peau de Janna, du cœur de bête. Nickel. Ok, donc là on a vu qu'il y avait un truc à fouiller si on voulait. Ah, vous vous rappelez de ces portes? Elles étaient bloquées. Surcharge. Kyriel 3. Pierre brute de l'Alf et alliage de Janna. Ok. Je pense qu'elles sont toujours fermées. Hein. Parce qu'on a toujours pas la clé. Ouais. Donc on va continuer. Donc il y avait cette grande zone. Oh, ce bestio. Est-ce qu'on l'avait déjà rencontré? Il me semble. Ouais, il y en a un autre là-bas, du coup c'est pas un mob rare. Art mystique, infligeas. Hop. Déploye le plan aussi vers du combat. Ah, explosion caustique, c'est pas mal ça. Allez, let's go. Le foie du vent à 1323. Ils sont quand même résistants. C'est ce qu'on pourrait dire des repoussés. C'est des gros sacs à PV. On pourrait appeler ça comme ça. Le gros sac à PV. Bon, voilà, pareil, nickel. Les stats. Qui augmente. Hop. Donc voilà. On va passer par ici, le quartier du serment. Donc on l'avait déjà découvert. Hein. On l'avait déjà découvert, c'est pas un nouveau quartier. Ah bah oui, puisqu'on avait déjà fait la quête où il fallait aller de l'autre côté de cette porte. Est-ce qu'on a des trucs à récupérer? Ok, voilà. Je sens que je vais regretter, hein. On va pas faire tous les combats. Parce que sinon, bonjour. L'ennui. Ok, donc de l'autre côté, il y a notre porte. Ok, ça. Ouh. L'esquive. Ah, c'est pas du tout là que je vais aller, par contre. On va y comme y aller, on sait jamais. Parce qu'on va déjà si on va y aller pour ça. Il doit y avoir un petit objet sympathique, un bout de vase. Pardon, excusez-moi. Je me suis fait U. J'ai bien fait troll, c'est pas du tout sympathique. Donc là, non, il y avait rien, il y avait un coffre, mais on l'avait déjà observé. Bout de tonneau. Ah tiens, d'ailleurs, c'est dommage qu'Alberic soit pas là. Parce que aussi, j'avais quelque chose à lui dire. Je sais qu'il appréciait pas trop les sub goals à 10 et 25 subs. Salut Bjorn, comment vas-tu? Putain, ça faisait longtemps, monsieur Bjorn. Ah, quel plaisir de revoir des pseudo-familiers. J'ai cru que vous m'aviez abandonné.
J'ai cru que je n'étais pas assez bien pour vous. Trop. Ah, ça, je. Ça, je te le fais pas dire. Petit truc à fouiller. Bon, comment vas-tu? Comment vas-tu? La violence. Attendez, il y a un truc là. Non mais justement, j'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi, Berek. D'ailleurs, salut à toi. Du coup, j'en ai rajouté un sub goal. Et alors, je vous explique le sub goal. À 200 subs, je recommence une partie de Pathfinder Kingmaker. Je trouve que c'est assez worse. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment worse. Hein. Mais écoute, ça va bien. Est-ce qu'on veut vraiment subir ça? Je sais pas si vous voulez subir ça, mais est-ce que vous voulez me voir subir ça? Je pense que tout le monde a envie de voir la fin de Pathfinder Kingmaker. Mais est-ce que tout le monde... Est-ce que les gens sont prêts à offrir 299 subs? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah mais par contre, si j'atteins les 200 subs, ça sera avec grand plaisir que je le ferai. Ah ça, vous pouvez être sûr. Oh les bâtards, je les ai esquivés comme jamais. Ah là ça m'annonce du lourd, là ça donne envie. Hein. Là ça attire le chaland. Enfin je dis 200 subs, je devrais dire 200 points de subs. Hein. Parce que si vous voulez prendre des subs tier 3, hein, mais ça compte aussi. Allez. Là. Attendez, juste regarder. Où est-ce que ça nous amène? Attendez. Ah bah non. Je suis pas du tout sur le chemin. Bon alors, qu'est-ce que tu racontes de beau, Björn? Comment expliques-tu cette absence de ces streams? Depuis belle lurette. D'ailleurs, je t'ai même pas souhaité la bonne année, du coup. Je t'ai même pas souhaité la bonne année, il me semble. Temtem, ah, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi tout. Temtem, est-ce que t'as réussi à te connecter à Temtem? Quartier du Seuil. Ok, c'est pas là. Du coup, ouais, on va dire que c'est... Non, on va pas dire que c'est tout exploré. Loin de là. Dès le deuxième jour, c'était bon. Ah, bon. Et du coup, t'en penses quoi? Est-ce que ça mérite l'aura qu'il a? Ou pas? Ah, il faut que tu m'expliques, hein, parce que du coup, je... Temtem, je connais pas du tout. Du coup, tu me parles de mécanisme d'énergie, de synergie, c'est pas du tout ce que c'est. Je suis à zéro sur ce jeu. Oh, attendez pas tout de suite. Ah, je l'esquive comme jaja. D'ailleurs, on m'a annoncé qu'il devait sortir sur Switch, hein, ce Temtem. Ah d'accord, c'est une barre d'énergie à place des... Alors des points de compétence, tu veux dire des PP, des points de pouvoir. Oups. Ouh. Oui, 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 ça pue. Faut que je les esquive. Ok. Ok. Esquiver. Non. Oui. Et si tu as pas assez d'énergie, tu peux lancer ton stream et tu puises dans tes HP. D'accord, ouais, c'est intéressant. Intéressant, du coup plus stratégique. Tu es raté, tu perds ton prochain tour. Ah ouais, c'est beaucoup plus stratégique.
c'est beaucoup plus stratégique, en effet. Ah. Et en termes d'histoire, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est plus travaillé aussi ou pas? Ah, trop rapide. Est-ce qu'elle me dit plus? Un archi-combat. Voilà, ça je l'ai des... Je les démembre pas. J'en ai des dizaines. Alors peut-être qu'il en... Peut-être que le jeu va me dire qu'il en fallait... Qu'il en fallait 300 pour crafter un truc. Mais tant pis, je prends le risque. Et les synergies sont en fonction des éléments. Par exemple, un skill peut avoir une synergie si le deuxième thème est de tel ou tel. Ah ouais, donc beaucoup plus stratégique. Ah, intéressant. Moi, c'est ce que je reprochais à Pokémon. Alors, je sais que, heureusement qu'Iruma n'est pas là. Parce qu'il m'insulterait. Oh. Ah, bah attendez, je l'ai trouvé direct. Oh! Comment ça s'appelle? Moi, ce que je reproche au Pokémon, c'est que sur l'histoire principale, c'est en fait c'est trop simple, il n'y a pas de stratégie. Du coup, si ça rajoute un peu de stratégie, ça peut être vraiment intéressant. Après, l'histoire est basique comme celle de Pokémon, hein, soyons honnêtes. Alors, attendez, infliger des altérations d'état. Attendez, on va prendre celui qui est juste devant nous. Tac. Concentrez-vous sur leur chef. Un mystique. Un du combat. Let's go. Par contre, le moral n'est pas au beau fixe, hein. Oui. Ouille. Ah putain, je l'ai pas vu. Je suis trop con. Ah. Manque pas grand chose. Ouille. Oh les bâtards. Allez, bim, la contre-attaque. Bien joué. Mais ouais, du coup, je crois qu'il est encore en alpha, le jeu, c'est ça? Du coup, ouais, quand il sortira peut-être sur Switch, je me laisserai tenter. En tout cas, ce que tu nous as dit, ça a l'air sympathique. Après, je sais pas ce que ça vaut en termes de design des pseudo-Pokémon. Ta femme a entendu, a même levé la tête à ta remarque. Laquelle de remarque? Sur Switch 2021? Parfait. Pensez à maintenir vos points de vie. Ça marche. Concentrez-vous sur le chef. Nickel. Il y en a des très mignons. Est-ce qu'il y en a, il y en a des kawaii? À rétablir, dommage, t'as dû attaquer. Ah, trop rapide, c'est ce qu'elles disent toutes. Ah, pardon, excusez-moi, je fais tellement de jeux de mots que j'ai... j'oublie. Allez. L'explosion caustique. Oh, c'est tellement violent, l'explosion caustique. Fente brusque. Oh, il a pris fente brusque 2. Gaz toxique 2. Oh non, je me suis... Oh. Ah, j'ai troll. Bon, ben voilà, une quête. Carapace de bête.
Arrête. Ils sont en train de tout me voler. Ils me volent tout. Ouais, il y a un jeu Capitaine Tsubasa. Alors, il a l'air d'être pas si nul que ça. Il a l'air d'être pas si nul que ça en plus, ce Capitaine Tsubasa. C'est vrai que je me dis... Peut-être... Peut-être, pourquoi pas le faire en stream. Ça peut être marrant. Alors, je sais pas si sur la durée, ça sera très cool. Parce que j'ai vu un peu la preview de Game Cult. Ils disent que ça, c'est un peu monotone au fur et à mesure. Peu importe, Anna m'envoie. C'est ça, elle veut... Je rentre comme une fille bien sage et tout et tout. Fichez-moi la paix, j'ai perdu dans ces ruines quelque chose d'important. Je ne repartirai pas sans. Ouf. Oh. Ah, déjà, qu'est-ce qu'on a là? Il y a plein de trucs. Ah, clé de Moshikado. Ah. La clé de Moshikado. Sinon, vous savez, il y a un nouvel épisode de Doom. Alors, je sais pas où j'ai vu sortir cette information, mais. Ouais, il y a quelqu'un sur le chat qui m'a dit oui, il y a. Il y avait un épisode de Doom, je crois que c'est Doom Eternal. Hein. T'as joué à FIFA, fais pas genre, tu vois ça, ça stream pas. Ah, y'a là. Oh, un boss. Un boss. Déployons offensive. Moi, je déploie l'offensive, les gars. Non, mais après, bon. C'est que si on fait un let's play de... De 40 heures de Tsubasa, est-ce que ça va pas se saouler à la fin? Bon, vous allez me dire que j'ai fait un let's play de Pathfinder Kingmaker. Certes. Je le concède. Alors, on prépare le combat. On se booste. Vitesse, vitesse. Au tribut du mal. Bien wesh. Démon de sable. Ça va, non. Non, ça va. Attaque par flanc, bien wesh. Impeccable. Oh, les coups critiques. Coups critiques. Ah, 7282 de dégâts. C'est mieux. Soignez les zones, soignez-vous, art mystique. C'est dommage qu'il n'y a pas pensé à... Allez, je vais tenter de renverser la tendance. Attaque à distance, gaz paralysant. Bam, pensez à maintenir vos points de vie. Ça me va. Provocation. Oui. Cavité. Ouais, c'est... Ah merde. Ah, j'ai troule. Ouais. C'est ça, ouais, CR4, ça peut être du stream de temps en temps, multi entre potes. Non, mais après, faut que je trouve les potes qui le prendront. Peut-être que si tu prends Yvendil, on pourra se le faire en stream, ouais. De temps en temps. Qui gaze paralysa. Ça ne fonctionne pas. Ah, vous avez vu les sub goals qui apparaissent jusqu'à on en parle. Pour le moment, on n'a pas besoin de se soigner. Tac. Ouais, je pense que ouais, peut-être que je le prendrai. Merde! Trop lent! Ce qu'elles disent toutes. Là j'ai trou là. Ah le lutin. Oh c'est nul. Oh les bâtards. Syncope. Allez. Sauvez les coûts que coûte.
Attaquer par le flanc, bien sûr, on attaque par le flanc. Impossible d'agir, sabotage. Bonne fin de soirée à toi, Mage, merci d'être passé. Et bon week-end, puisqu'on se reverra pas avant lundi. Et ouais. T'en as soigné tout le monde sauf nous, quoi. Ah, il s'est pas pris de poison. Non, je me suis trompé. Oh non. Putain, il a masse points de vie. Hein. Soignez-vous. Moi aussi, je vous abandonne l'appel try. Bon courage, pareil, Elberek, pour ta soirée de taf. Et merci à tous. J'espère que je vais réussir. Tout le monde sable. Aïe. Il fait quand même beaucoup de dégâts, ce bâtard. Vous avez vu, c'est soigné de 22 000. Connard. On n'a pas fait le Deus Ex Machina. Ah. Ouh, coup critique. 15 000, qu'est-ce qu'il y a? Revitaliser. Ça, c'est quand même stylé, ça. Putain, sabotage. Oh, oh, oh. Résiste, prouve que tu existes. Elle est gaz paralysant. Coup critique. Mais ça te paralyse pas. Quel dommage. C'est nul. A bien joué le rétablir sur les poteaux. Tadi. En couverture. On va attaquer par le flanc. Oh. Fracas. Ouille. Ouille. Tribu du mal 3. Putain, mais il a masse point de vie. Hein. Oh, bien vu l'esquive. Ah, essaye dans le rouge. Il est dans le rouge. Elle a soigné ses potes, bien joué. Attaque par le flanc, toujours attaque par le flanc. Donnez tout ce que vous avez. Allez, on les bourre. Putain, par contre, il esquive, ça va pas le faire. Mais non, il a esquivé tout. Oh. Allez, Echo.
Putain, sabotage. Allez, on y croit. Cascade. Putain, il veut pas crever, hein. Soigner les autres. Ah, je vais les... Non. Putain, mais il fait des monts du sable. Ah, j'espère qu'ils vont pas toucher. Oh punaise. Rétablir. Well done, well done. Ah oui, bien joué le rétablir sur... Attaque par plan, soigner les autres. Soignez-vous. Allez, on tombe. Oui, c'est la victoire. Choisir art. Ah, on a rétablir. Rafraîchir. Lumière qui annule les altérations d'état d'une. Mais rafraîchir. Ah, c'est quand même bien de prendre rafraîchir, je pense. Ouais, on a choisi rafraîchir. Voilà, on a pris pas mal de stats. Et on a le Tiklali. Par contre, on va le démembrer. Tout à fait. On peut être fier de nous. C'était pas un combat facile, mais on l'a géré. Et on a récupéré les clés. Ok. Donc, il faut qu'on retrouve ce qu'elle a perdu dans les ruines. Est-ce que vous vous rappelez où étaient les portes qu'on a vues avec les clés? Pas du tout. Parce que je pense que ça se cache à cet endroit. Ok, on va essayer quand même d'esquiver au max. Tac. Ok, donc là il y avait le truc. Ok, donc là au bout, c'est vide. On a le téléporteur. Ok, on va chercher ça. Je fais gaffe à l'air quand même. Ah ben voilà, déjà une. On va pouvoir ouvrir. Essayons. Le cadenas est ouvert. Yes, trop fort. Voilà, petite sauvegarde, hein. Quartier du Phénix. Ok. Là on a. Ok. Là-bas il y a également une autre porte. Est-ce qu'on peut interagir avec la porte ou pas? Oui. On va faire ce combat pour être tranquille. Allez, let's go. Ah merde. Putain, je vois toutes mes QTE. Dégoûté. Ok, en marche. Ah, du combat, hop.
Oh. Esquive. À 1620. C'est pas mal. Et il a pris fond de 4, je pense pas. Voilà ce qu'il y a derrière cette porte. Déjà un petit coffre. Ça fait zizir. Ok, des herbes. Merde. Ok, il y avait un autre là-bas. Est-ce que c'est des nouveaux mobs? Non, c'est des chamans. Hop. Let's go. Bon, en tout cas, le moral, on est bien. Ah, oh, trop lent. Je suis trop deg. Oh, ils ont pris cher. Ils ont pris cher. Pareil, toujours quelques gains de stats non négligeables. Ah, attendez. Ok. Attendez. Il y a des mobs. On va le bâtir. Je l'ai point vu. Bon, j'espère que c'est pas trop long. Sinon, on continuera demain. Allez, un petit écho. Oh là là, les dégâts. Shaman Jana. Je dément. Dans le doute, je dément. Attendez. Attends, vous n'avez pas que ça la carte de cette. Ah, mais il y a un truc là. Attendez. Ah, ben voilà. Nick. Oh. Je suis obligé de les faire pour prendre le coffre tranquillement. Dégommer les tous. Un stick. Allez, normalement ça devrait le faire. Voilà, les unités elles tombent assez facilement. Ah, il a esquivé le poison. Oh, le bêtir. Encore des chamans. Allez, hop. On démembre pas. Je vais voir ce qu'il y a de mon trésor. Pégase. Attendez, il y a quelque chose. C'est vrai que j'ai pas la carte de la zone. Oh, attendez. Vous avez vu ce qu'il y a? Création d'armes 33. Vous avez vu, il y avait un truc qui est apparu. Oh, je me tire. Oh, le bêtier! Malgré l'avantage, le moral n'est pas à zéro. Bien sûr, nous on se prend tous les poisons, bien évidemment. Hein. Ça, c'est dégueulasse.
Allez, ça dégage. Bam, les chamans. Non, mais l'explosion caustique, elle est vraiment trop puissante. Un nouvelle classe, chevalier A7. Ok, attendez. Vous avez vu ça? Stay. Ok, ok. Bon, vous savez quoi? On va s'arrêter là. Hop. Je vais faire une sauvegarde. Ouais, moi, du coup, j'allais arrêter Yabobo, tu vois. Le timing est parfait. Parce que là, je pense qu'on va. On n'est pas encore sorti de ce donjon. Du coup, je vais les tous vous remercier pour avoir suivi ce stream. Rendez-vous lundi pour la suite des aventures. Ça sera donc sur du Wasteland 2. On attaquera la prison. Mercredi, il y aura un live aussi avec. Avec Eve Insomnia, ça sera pour finir We Were Here Together. Et il y aura peut-être un jeu supplémentaire parce qu'il semble qu'on est vraiment, vraiment très, très, très proche de la fin. Et après, c'est un programme classique pour vous. J'en profite pour, première chose, regardez qui stream actuellement. Est-ce qu'il y a des gens qui streament? Tiens, il y a Anthologie qui stream du Age of Empire. Ben, je vous renvoyais vers lui. Et je vous passais bien sûr quelques pages de publicité. Merci à vous tous. Bon week-end. D'ailleurs, ce week-end, je serai à la Cité du Design de Saint-Etienne pour l'expo Design moins jeux vidéo. Du coup, sans doute sur Twitter, je vous ferai passer quelques photos. Peut-être quelques vidéos, on ne sait pas. Mais voilà, donc c'est ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à follow le Twitter, @Drecker. Pour ceux que ça intéresse. Voilà, des pubs. La bonne soirée. Bye bye à tous. À lundi.